Et nous y sommes, c'est la suite de Silent Hill. On a fait une intro infinie pour la VOD précédente. Et bien là, ça sera l'intro, l'intro finie. Voilà, c'est fini. Tout simplement. Du coup, bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur Silent Hill. On explore et on essaye de pas mourir de peur et de désespoir. Pour le moment, les choses se passent bien. Et là, on était derrière une... Enfin, on arrive dans un entrepôt, dans l'hôpital, où tout est creepy, tout est dégueulasse. Et là, une porte. Et donc, du coup, on ouvre la porte. Et a priori, on va trouver quelque chose. Mon petit doigt me dit que... On dirait qu'il y a un couloir sous la grille du plancher. Impossible de la bouger. Elle est bloquée par le lierre. Mais heureusement, grâce à notre sens aigu de l'exploration et de l'envie de découvrir les choses... Nous avons bien sûr trouvé, je me trompais de touche pour le menu, nous avons bien sûr identifié plutôt le briquet, bien sûr. Et là c'est le drame. Non, le feu s'éteint aussitôt. Mais heureusement, nous avions également l'alcool à désinfecter qui permet... Oh, cinématique. Alors il est bien en train de mettre de l'alcool désinfecté, s'il vous plaît. Pas d'esprit mal tourné ici. Vous périrez par les flammes. Non c'est bon, tout va bien. Oh le mec il est vénère, il a tué la grille juste après quoi. Je le sens pas. Oh, putain, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. L'esthétique est magnifique là. Grosse maîtrise technologie PS1. Ouais, attends, calme-toi toi. Oh, le réflexe surhumain. Ok. Punaise ! La cassette vidéo. La fameuse. On avait trouvé un magnétoscope tout à l'heure avec une télé. Et là, nous avons la cassette qui va avec. Ça se trouve, c'est les rediffusions d'M6 Kid et on va être déçus. Les jumelles s'en mêlent. Avec les sœurs Olsen. Et Carrie. What's this? Oh. Looks like someone's been here. Allez savoir. Ah, on n'a pas de son. Allez ça. D'accord. Il y en a une clé de la salle de consultation.
vous le dites. Allez, ça va. Ok. Ça y est, je vois tout un tas de dérivés de blagues. Allez, ça passe, allez, ça va. Allez, ça gère. Allez, ça save. Allez, ça va chier, exactement. Bon, je pense qu'on a tout là. Je pense qu'on a tout. Alors, la question qui tue. Où est la save? Alors, étage 3, salle 302. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça suffit les jeux de mots. Okay, on arrête. Arrêtez. Non. Quoi, c'est pas ça? Ah non, non. Tant que personne dit allez ça viens change pas de main, c'est bon. C'est quoi? C'est que le chat est sauf. La save. Et nous voici du coup de retour dans la chambre 302. À propos de quelque chose, une enfant, on sait pas trop, des trucs un peu louches en tout cas. Et là, c'est la question. Où est-ce qu'on va? On a chopé une clé tout à l'heure, c'était la clé de quoi? Je vais regarder vite fait, elle doit être dans les objets ou quoi. La clé de la salle de consultation trouvée dans une salle de maladie au deuxième sous-sol. De la salle de consultation. Attends, on va se soigner un coup. Trompe de touche. Alors, salle de consultation, comment est-ce qu'on appelle ça? Ah bah, ce serait pas la salle du premier étage? Examination room, c'est ça. Donc on va au rez-de-chaussée. Bon, j'aurais dû passer par les escaliers, mais c'est pas grave. Donc c'est la salle qui était fermée tout à l'heure. Ce qui est logique en fait. C'est moi où on allait super vite pour cet étage là, j'ai l'impression qu'on a fait super vite le... Enfin cet étage, ce donjon, entre guillemets. Tout le monde me disait oh, tu verras l'hôpital c'est super long et tout, et j'ai l'impression qu'on l'a... On a traversé quoi, vraiment. Après c'est peut-être pas la fin hein, mais... Ça en donne l'impression en tout cas. Donc là, on descend, on met les... Ouais. Ça vous saoule les allers-retours caméra que je... plan, carte que je fais ou pas? Parce que vraiment je me sens pas... de moins le faire parce que j'aurais peur d'être paumé, mais en même temps je comprends que pour vous c'est vraiment relou quoi.
Ouais, ça va vite au 4 heures. Ah non, mais c'est parce que là, avec le la douille aussi. Ah, attention. On est prêt. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Ok. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, cinématique très importante pour l'histoire, tout ce qu'on vient de voir ici, ça nous parle quand même de plusieurs personnages et tout ça. On a rencontré Lisa. On a rencontré Lisa et Lisa, personnage emblématique, bien sûr. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, sur le chat, très important. Autre point très important, du coup, le retour de la bonne sœur que l'on avait vue dans l'église et qui nous indiquait comme quoi nous serions peut-être la seule personne capable de sauver tout ça. Et donc, l'histoire qui avance bel et bien.
Autre point très important, bienvenue aux personnes qui viennent de chez Isoka qui arrêtent la chaîne. Merci Iso. Et donc oui, j'aimerais bien qu'on fasse une partie de Go à l'occasion, ce serait quand même temps. Donc oui, je pense qu'on se fera ça. Mais je pense plutôt début décembre, parce que là, ça sera un peu difficile jusque-là. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'était que là, on a entendu la sirène pour de vrai. On a entendu la sirène pour de vrai. Et donc, on récupère cette clé, la clé d'un magasin d'antiquité. Qu'on va prendre du coup. Alors je sais pas exactement à quoi est-ce qu'elle peut ou va nous servir, on sait pas trop. Je regarde juste un truc. Où est-ce qu'on m'a mis là? D'accord. Alors ça veut dire que là je vais sortir? On a définitivement fini l'hôpital? C'est le jeu qui a sub la chaîne exactement. Wouah, attends, j'étais pas prêt, toi. Non. Mais calme-toi. Y'a pas de boss dans cette zone? Non mais attends, t'es sérieux, là? Attendez. J'aurais dû save. Bon, ok. C'est quoi ça? What? Aïe 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 aïe. Mais non, mais arrêtez! J'ai perdu toute ma vie sur cette séquence, quoi. La tristesse. J'ai perdu toute ma vie sur la séquence. C'est dommage. Bon, alors du coup par contre, je vais être clair avec vous, l'histoire du magasin d'antiquité, je ne sais absolument plus ce que c'est. Donc là, on va le revoir ensemble, mais j'avoue, je ne sais plus. Si j'en crois ce que je vois ici... Pourquoi il nous a re-entouré l'hôpital? Avec le son de l'enfer. Parce qu'on a vraiment fini l'hôpital là, pour de vrai? Vous voyez là, la rue Sagan, la rue Wilson, Simmons... Ce sont que des écrivains, tout ça, pas que, mais il y en a. Alors, attendez, je vois des trucs, Salimon, machin, etc. Attends. On a une clé, oui, je sais, mais c'est juste que je cherche le... La boutique, elle est indiquée nulle part. D'habitude, il y a toujours un petit truc. Peut-être dans la première partie de la ville. C'est pas impossible, ça. Attends, oui, peut-être que la clé donne les... Attends, oui, ça c'est... Je suis con. Ça se trouve, il y avait un truc indiqué sur la clé. Clé du magasin d'antiquité, clé étiquetable portant le nom d'un magasin et laissé à l'hôpital par Dalila. Oui, ok. Look. Green Lion. Le lion vert. Le pauvre. Alors, le lion vert, du coup. Lion. Là-haut. C'est bon. Ok. Allez, c'est parti. On va aller jusqu'au magasin d'antiquité. Je n'avais pas vu. Donc on a bien pris la clé, certes, mais... Ce Silent Hill des familles réelles, c'est tellement beau. Ouah! Oh non, mais ce truc! Tu mets un petit... Ils sont incroyables! Ils sont magnifiques. Ils sont... Ah non, ça par contre, c'est pas magnifique. Ah, dégage de là, créature de l'angoisse! Mange tes morts, cannibale! On en est où? On y est presque. Allez, cours, baby, cours! Là! Eh non, c'est une esquive! Le joueur français! Se prend la porte! On m'a donné la clé d'une porte ouverte. Jusque là tout va bien. Et là la question est entière. Merci Razouk, ça me donne la chaîne, merci beaucoup. La question est entière. Que va-t-on trouver dans ce magasin d'antiquité maintenant que l'hôpital est une zone fermée et accomplie? Est-ce que nous allons
avoir des indices concernant cette Alessa mystérieuse. Est-ce qu'on va retrouver potentiellement cette infirmière qui nous semblait, ma foi, bien en proie à bien des supplices, peut-être, je ne sais pas, des choses étonnantes en tout cas. Ou alors peut-être davantage d'informations concernant... j'ai du mal avec les noms, hein, ça va être très compliqué. Bref, la dame dont le nom reste imprononçable, eh bien ça vous le saurez dans le prochain épisode de l'aventure sur Silent Hill. Épisode un peu plus court cette fois-ci, mais en même temps je pense que là, la transition est absolument toute trouvée. On est bien, on est très très bien. Petite pause et du coup petite pause aussi pour le live, je reviens dans... à peu près 3 minutes pour le live, pour les gens qui voient ça en VOD, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure sur Silent Hill, j'espère que ça vous plaît toujours autant, et je vous dis à très vite. Bye, à la prochaine, bye.